Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo en collaboration avec les équipements Woody pour vous montrer comment changer le câble en nylon tressé sur la chargeuse 90HD des équipements Woody. Donc la première étape va consister à déjà enlever la sling. Ensuite vous retirez le câble de la poulie comme ceci. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir enlever le cache qui est dessus, sur la winch, qui est ici. Donc pour ça, il va falloir dévisser, il y a 10 bolts à enlever, avec du 11 mm. Donc une fois que vous êtes arrivé du bord de la poignée, faire attention, parce que là, on va dévisser ceci, ça va s'enlever. Donc ça s'enlève, c'est normal. Bien mettre les deux bolts qui tenaient cette poignée de côté, ils sont plus longs que les autres. Je vous conseille, pendant que le cache est enlevé, celui-ci là, c'est de bien graisser le mécanisme qu'il y a dedans. Il y a un graisseur juste ici. Donc ensuite, il y a juste un bel cache qui est ici. Le câble va passer comme ceci. Et voilà, la winch est ouverte. Et il ne reste plus qu'à dérouler tout ça. Donc une fois ouvert, ça ressemble à ceci. Donc le câble est pris à l'intérieur, là. On le voit ici. Donc il y a juste à desserrer cette partie-là, cette petite vis qui est là-dedans, avec une clé comme ça. Une fois que ceci est dévissé, il n'y a plus qu'à tirer dessus. Et voilà. Et maintenant, on va remonter le nouveau. Donc, quand vous allez recevoir votre nouveau câble, souvent, il y a ceci au bout. Donc ça c'est la partie qui va dans la winch que je viens d'enlever. Donc, il y a un petit bout de ferraille. Donc ça il faut l'enlever. Donc quand vous l'enlevez, il faut faire ça délicatement, il faut bien garder la partie noire qui est ici. Ça, cette partie noire, c'est ce qui va faire que votre câble ne va pas s'écraser quand on va resserrer. Comme ceci, bien propre. Ensuite, dérouler le câble, bien évidemment. Ce sera plus pratique pour le remettre. Le repasser dans la poulie. Une fois qu'on est là, avant de venir le refixer ici, bien penser à venir le passer dans le cache qui est là, sinon il faudra tout démonter. Donc bien penser le passer en premier dans la poulie, ensuite le passer dans le cache qui est ici, avant de le refixer. Si vous pouvez poser ça. Hop, vous n'avez plus qu'à le glisser dans le trou qui est dans son trou où il est censé aller. Donc l'idée, c'est de le ramener à ras. Pas besoin qu'il dépasse, comme ceci. Ensuite, on ramène là. Et on resserre. Voilà, juste bloquer avec la clé comme ceci.
Donc une fois que vous l'avez passé dans la poulie, passé dans le cache, installé, vous pouvez refermer. Comme ceci. Et on peut remettre les bolts. Serré en plein, je vous conseille de toutes les mettre en place. Donc quand on arrive du côté de la poignée, remettre ceci. Ensuite là, n'oubliez pas, les deux bolts les plus longs vont avec ceci. Donc au moment de resserrer ces deux-là, bien s'assurer que la poignée de débrayage passe dessous. Là, moi, elle passe pas, donc juste la relever un peu. Voilà, vous voyez, là, elle va passer. Et pas trop la relever pour qu'elle reste bloquée quand c'est en marche. Voilà. Donc une fois que tout ça est fait, vous pouvez serrer les bolts comme il faut. Donc une fois que tout ça est fait, vous pouvez remettre votre sling au bout de votre câble en nylon tressé. Donc pour enrouler le câble en nylon tressé, la bonne façon, c'est de wincher quelque chose de lourd. Par exemple, wincher un billot pour l'enrouler bien serré. J'ai accroché un billot et je l'ai fait tendre avant et maintenant je vais wincher. Et voilà la bonne façon pour enrouler le câble. Au moins là, il est enroulé bien serré. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube. Je suis aussi sur Facebook, Instagram et TikTok. Bûcheron Service Inc. Bonne journée les amis.